Ils avaient 217 brèches. Trafic Alcide, il se fait pas une brèche par jour, son compte est supprimé. Waouh. Voilà, voici encore les brèches haters. Encore un autre brèche hater. Il y a les pro-brèches et il y a les anti-brèches sur mon live. Il y a des gens qui n'acceptent pas que je fasse de brèche en live. Vu que je vais faire des contenus qui ne rapportent pas de karma. Voilà, ça va, cette vague a l'air d'être facile. Moi, si cette fois-ci j'arrive à gérer ou pas. What? Purée. Lui, il a pas de point de vie. Je veux du bâton maintenant. Ah, c'est juste un bug d'affi. Encore. Pour changer. Pour changer, les gars. Quel move je vais taper? Je vais taper celui-là. Donc je vais prendre ça. Ouais, on va faire ça. Plus du jeu de mes pleines PM. Ah merde, j'ai oublié. Je suis débile. Mais franchement, je fais les pires moves sur cette brèche, les gars. Je fais les pires moves. Regardez pas mon combat. Hein. Je tape pas de dos sur celui-là. Non, c'est mieux, je tape même pas. Hein. C'est mieux, je tape même pas. Je passe mon tour. Pourquoi lui il est pas censé ça, c'est vrai qu'il a pas le Bers. On va se mettre ici. Non, cette brèche. C'est compliqué. Ok, donc moi si j'arrive à m'éloigner, à me rapprocher le plus possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Donc bon, je vais prendre quasiment qu'un dégât. Mais est-ce que je vais pouvoir le tuer? C'est ça la question. Oh. J'ai envie de me couper les veines. C'est la pire brèche ever, les gars. C'est la pire brèche.
J'ai clairement plus l'habitude pour faire cette brèche, les gars. Non plus l'habitude pour faire de faire cette brèche. Putain, je vais prendre autant de temps pour... Là, c'est compliqué. Prendre 8 points de 10 millions pour jouer, c'est abusé, hein. Attends, genre, il a pris du temps sur mon temps de jeu. What? Il a pris du temps sur mon temps de jeu. C'est quoi ce jeu? Bon bah... Ah, c'est vrai qu'il se soigne sur les invocations, lui. Si je prends trop de temps pour jouer mon tour de jeu et je joue trop mal. Je vais relancer mes comptes. On va voir. Je suis blasé de mon Xelor et j'aimerais garder un DPT distance dans ma team. Mais que penses-tu du Kra? Ah bah c'est que tu seras encore plus blasé de tes prochaines DPT, bro. Le Xel, c'est le meilleur DPT distance du jeu. Y a pas mieux. Bon, je prends trop cher en termes de dégâts là, je joue trop mal. Ça va être compliqué comme brèche.
ça sert à rien de le taper de toute façon. Donc normalement, on va faire ça, 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 ça. Lui, je le trouve. Bon, je pense que c'est bon, on rentre dans le vif du sujet là. Là, je vais taper à distance pour éviter de lui faire froid que son état. Et on va se mettre là, pour vraiment le full tacler. Et qu'il fasse de la merde. Donc là. Là c'est parfait. Pas le temps de jouer tous mes sorts. Non, je vais pouvoir le tuer. Quoi ce bruit? Ah oui, c'est le bruit pour dire que j'atteins la limite, mais je m'en bats les couilles de la limite, moi. Meurs. Donc, on va faire ça. Ça. Et lui, je vais lui mettre le bâton. Je pense que c'est tout, hein. Voilà, on va essayer de jouer un peu plus vite. Et merde. C'est chiant. Non, lui, il est fatigué à me taper non-stop, là. Donc on va faire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va mettre ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je prends trop de temps à jouer mes tours, ça a duré. Non, ça c'est quoi ça? Il est pas déjà mort l'autre?
Attends. Non, il était déjà mort, non. Du coup, je ne dois plus avoir l'état. C'est quoi ce délire? Il y a un guy sous roche là. Ça veut me faire du sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste à faire ça. C'est parfait. Ça c'est... Ouais, je peux même pas me déplacer. C'est vraiment pas ouf comme fonctionnement. Mais je peux clairement pas me déplacer. Ce qui me fait le plus chier, c'est que j'ai plus le mode berserk que sur mon SRAM. Je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir le réavoir. Mais ça risque d'être compliqué. Faudrait que je prenne des dégâts d'une manière ou d'une autre, mais je sais pas comment. Il faut que je trouve une solution pour pouvoir avoir accès au boss, au dos du boss, sans trop de soucis. Je vais essayer de faire en sorte que le mob tape mon... Mais bro, le boss il est chiant. Il a pas du tout tapé mon SRAM. Ah, ce boss il est chiant. Ce combat il est vraiment complexe, hein, il est vraiment complexe. Pour le moment parce que je débute. Je suis trop lent en plus. Hein. Je vais voir ça si je me tape moi-même. C'est dommage, je passe. Je sais plus est-ce que ça passe. Ah je l'ai tué, l'enculé, il meurt comme ça. Les dégâts négatifs du SRAM.
Il me semble qu'il a toujours le bâton. Il a toujours le bâton lui aussi, il a toujours le bâton, je pense. Il me semble que je vais le laisser prendre des dégâts. Hein. On va faire ça. Et ça. J'espère que le sang va prendre cher. Je veux qu'il passe mid life flat. N'a pas besoin. J'ai plus besoin de la lave. Comment ça j'ai plus besoin de la lave? Mais comment DPT. J'ai pas un seul DPT moi comme toi Coli. Si je veux que mes deux DPT tapent. J'ai besoin de la lave moi. Ah, pourquoi tu me donnes 3 PM ça? Ok, là c'est parfait. Oui, lui il a pris cher. Donc on va faire ça. Bon, mon sang va repasser en berd avec le boss. Du coup, comment ça se fait que Fika n'a pas été invité aux AD20 cette année bizarre? If I speak! Par contre, comment on voit pourquoi le mob me donne toujours 3 PM hein, quand je tue une plante. C'est nouveau ça? Quelqu'un sait si c'est nouveau ça ou pas? Quand le mob te tue, ça te... Mais c'est vraiment broken du coup.
Wouah! C'est chaud. Oui, c'est comme ça que ça fait ici, là. Là, j'ai combien de... Est-ce que j'ai toujours mon bâton, ouais. Trop de temps pour réfléchir, ça a abusé. Du coup, j'ai juste allé tuer des trucs avec mon SRAM. Par contre, je suis trop lent là. J'ai pas fait un bon nombre de vagues, ça me gave. Hein. Putain, joue plus vite la Fika. Ok. Ah, ça risque d'être compliqué. Ok, il a besoin de beaucoup de points de vie. Je vais juste mettre une immunité. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai le TP. Il peut essayer de récupérer les points de vue là-bas. Et lui, je vais vous mettre ça. Et on se met ici. On va te tacler. On va te donner des PM et je pense c'est Gucci. Je vais me mettre ici. Ok, il a pas fait son état sur. Ah là là, lui il est chiant. Ok, donc
Ah, lui, gagne beaucoup de PM. Waouh, c'est chaud. Concentration au max, les gars. Concentration au max. Et donc ce tour-ci, je vais tuer celui-là, et puis après, on va tuer celui de l'autre en même temps. Bon, lui, franchement, je comprends pas. Moi, c'est vraiment bien la modif qu'ils ont faite sur cette brèche. Hein. La modif en gros maintenant chaque fois que tu tues une plante ça te donne des PM donc c'est vraiment broken hein. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Du coup, je suis bien, je pense. Je vais rester ici. Et quoi que, est-ce que je peux mettre le bâton? Non, je peux mettre le bâton. Je vais m'éloigner pour éviter que le boss il refasse le même coup à taper. Mes DPT, enfin mes tentes plutôt. Donc l'objectif, faut qu'il tape soit le SRAM, soit le YOP. Il n'y a que l'idiot qui tape depuis le début de la brèche. Hein. Wouah, j'ai les pires artefacts, les gars.
Au moins ce boss-ci je l'aime bien. Mieux que les autres boss. Hein. Donc on va faire ça. On va faire ça aussi. Si je dois prendre cet artefact ou celui-là, j'abandonne les gars. Ouf, ça va, c'est Gucci. C'est un artefact pas trop chiant. Premier coup en brèche aussi le Tanico. Non, je pense pas. Parce qu'il m'a fait vraiment mal avec mon FK. C'est juste que j'ai plein de résistance aussi. Non, je pense pas. Mais le sort dans cette brèche est vraiment broken. Le tacle sur les mobs. Ici, c'est vraiment broken. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'esquive les mobs bas level. Ah oui, là, j'ai pas le bâton. C'est un peu dommage. Je vais prendre le truc qui pousse. Ça, c'est un peu dommage que lui soit si fragile que ça en vrai. On va se mettre ici. Non, c'est la poussée que j'ai pris. On va le provo. C'est nice. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce détail là. Lui, ça se téléporte au cac. Oula, je vais pas taper. Mon FK. Par contre, lui, je vais galérer à le tuer. Hein. On va te porter celui-là ici. Et je suis normalement, je suis. Yep. Je peux pas lui retirer les... Oh là, ça c'est dommage.
On va faire ça alors. Encore en PM. Bon, si je me mets ici, que je me stab, il fait rien le boss. Hein. Non, on va tuer ce totem si. J'ai pris trop de temps pour tuer cette vague en vrai. En vrai de vrai. C'est pas ouf. Oups. Je me suis trompé de sort. C'est un nouveau combat, du coup j'arrive pas à utiliser mes raccourcis convenablement. Une masse PM au SRAM comme ça. On va faire le tour de la map et enchaîner plusieurs morts en même temps. Le seul mob que je vais enchaîner, c'est personne. Cinq, on va faire ça. Et ça va, lui, il a plus de PM, c'est parfait. On va tuer celui-là, on va tuer celui qui est ici. Alors, je sais pas si les mobs me font mal ou pas. Ça va, les dégâts sont corrects. Ce sera mon best, c'est de tuer tous les petits trucs. Donc lui, hop, on termine.
Donc. Là, c'est l'une des brèches les plus chiantes, voire la brèche la plus chiante. Hein. Je préfère la brèche chouchou. Celle-là, elle est trop chiante. Moi, je suis pas vraiment transpo. Arrête de retirer des pierres en haut. Oh. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Une, deux, trois, quatre.
Bon. Est-ce qu'il va aller tuer mon... J'ai peur qu'il aille tuer mon Yop en vrai, les gars. Bon, il va ici. Je pense qu'il tue mon SRAM. Hein. Ah, ça va, il a pas fait assez de dégâts. Donc on a terre, air, eau. Bon, je peux avoir le haut, je sais pas du tout. C'est compliqué les gars, c'est compliqué. I'm lost. Et au moins il est pas allé sur les autres personnes. Je pense que j'ai fini pour l'assez pour le tuer. Donc là il manque juste le haut. J'ai rien pour placer le haut à côté du SRAM. 1, 2, 3, 4, 6, 7. J'ai pas un monstre qui tape haut là les gars. J'ai rien. Hein. J'ai rien qui tape haut.
1, 2, 3, 4, 5. Bon, ce tour, ce jeu, on va pouvoir tuer et enchaîner le prochain boss en même temps. On va voir. Dans cette compo, je galère. 20, 49. Je vais passer devant ceux-là, mais je pense pas que je vais passer devant Connie. Ok, du coup on va tuer celui-là. Je pense plus que le one turn, hein. Enfin je l'espère. Et merci pour le sub, Aux. Thank you, PG. Et donc, là j'ai que des trucs qui stables, ça va faire chier. Yahoo!
Ok, bon, comment on peut gérer ça pour avoir un truc intéressant? Je vais prendre la stab à tous les coups. En vrai, ça m'énerve de ne pas pouvoir me placer le haut en vrai les gars. J'ai quasiment rien pour placer le haut en vrai, j'ai aucun mob qui tape haut. Et les totems sont stables, du coup je peux pas les déplacer. C'est compliqué. Ok, on a tout désactivé et il faut que j'arrive à avoir les trois états pour taper sur les trois éléments. Non, ça va là. Mais j'ai pas le terre. J'ai aucun monstre qui tape terre. Quoi que si. J'ai le patapat qui tape terre, je pense. Non, même lui, il tape pas terre à distance. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'ai fait une bonne opération, je pense.
Enfin, je peux pas battre le record de colif, mais j'ai fait un record qui peut être correct en vrai. Hein. Il a connecté la chambre comme avec lui, Riri. J'ai plus le mode d'herbe. Non mais mon gars il meurt. Je sais même pas, c'est si tu finis ou si tu commences ton tour dedans. Je pense que c'est si tu finis.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je pense que je peux le mettre ici. Une, deux, trois, quatre, cinq, ok. Donc, j'apprends quel artefact. On va essayer de prendre celui-là. Quatre, cinq. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire. Un bon score ici en vrai les gars. C'est pas celui-là qui termine. Faut que j'arrive à mieux gérer certains boss et puis il y a moins que je fasse un très 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 bon score. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir. C'est plus si j'étais que des bébés gerbouilles aussi.
1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'arrive pas à avoir la ligne de vue sur lui. Est-ce que je peux le one turn? Ça aurait été bien, mais je pense pas. Hein. On va voir. J'ai pas le bâton PK sur le SRAM. C'est vrai qu'il va me poser problème. Ok, bon, ça passe quand même, même sans bâton PK. Ok, donc là c'est nice. En vrai, si je gère mieux, au moins de faire un beau truc. Hein. Je vais tuer la prochaine vague en plus de cette vague. Je pense si j'arrive à mieux gérer le combat. Tu conseilles quel deuxième DPT? Je te conseille de prendre un DPT zone si tu peux. Genre un Helio ou même... quoi de ta part, Helio. Helio ou SRAM, DPT zone, ça peut être bien. Mon petit Pew va mourir, mais bon, c'est pas grave. Wow, 15 000! Wow!
1, 2, 3, 4, 5. Ok. Oh, là c'est bien ça. On pourra faire 13 vagues, je pense. Lui, j'ai le one turn là. On a fait 13 vagues pour notre premier try avec cette composition, c'est c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas payé, mais c'est pas grave. Là c'est Gucci, j'ai les trois éléments sur les trois personnages. R qui est à l'autre bout de la map. Thank you.
Ok, non, je peux tuer les deux mobs ce tour-ci. Faut que je gère bien. Le combo enflammé est toujours fort à THL. Lui, elle est toujours forte à THL. Oh, j'ai mis le haut, donc on va juste faire ça. Donc j'ai failli battre le record de colis avec cette composition et j'ai joué très très mal. Hein. 13 vagues, on peut faire mieux, on peut battre le record de colis. Hein. C'est fini là, on peut battre le record de colis. On peut battre le record de colis avec un peu d'entraînement. Le record de colis saute. C'est vrai que j'ai pas eu de e-book en vrai. J'ai eu 3 canistères. J'ai eu 5 fantômes de Pandala. Pas eu de Hibourg. C'est ça. J'aurais une compo enflammée à me proposer. Bah, la compo habituelle de Guntir, hein, Panda, Feka. Enfin, tu veux une compo de 6 enflammés, tu peux faire Panda, Feka, Ossa. Enfin, c'est la compo enflammée de base. Hein. Ah, cette composition-là. Panda, Feka, Sacri, Eni, Zobal. Et tout le tralala. Tu peux utiliser ton abs. Waouh, calme-toi, Wery. Que je regarde mon loot. Déjà, j'ai loot quoi ici? Bon, j'ai pas le loot d'Asri, c'est normal. Être sensible 3. Truc de merde. Puissance brute 3, c'est nice. Pied ferme, dernier souffle de être sensible. Attends, est-ce que j'ai loot un mythique ici? Rien un mythique. Pied ferme 3, 2. Oh là là. Pied ferme 2. Le loot est éclaté. Hein. Ça coche, c'est bien. Un anneau, c'est pas mal. Pieds fermes. Ah, j'ai que des pieds fermes. Ah non, ça, j'ai déjà vu. Est-ce que je vais regarder maintenant? Pieds fermes. Dernier souffle 3, c'est pas mal. Dernier souffle 2. Même pas de puissance brute 2. Hein. No fille. Mais j'ai loot plein de sublime leg en vrai. J'ai loot plein de sublime leg, mais. C'est pas ouf. Bon, Asri, il fait combien de vagues? Il est même pas dans le top. Asri, il est où Asri? Même ici, il est pas. Ah, ok, il a pas fait ce mois-ci à ski, je pense. J'ai dit, what? Le mois dernier, il a fait combien de vagues à Astri? Bon, Arma, il a fait 13 vagues, c'est normal. Arma, il est bon. Alors, Astri qui fait 11 vagues, choqué et déçu. Astri qui tryhard la brèche, qui fait seulement 11 vagues. Oh là là, Astri éclaté au sol, hein. Rien à redire, Astri éclaté au sol. L'être sensible, c'est écrit, hein, bref. Oula, Fika, t'as des sceptres de sable. Non, je pense pas que j'ai des sceptres de sable. Pas si j'en ai loot là maintenant, mais j'en ai pas. J'en ai pas normalement. Donc c'est chill. Astrid, t'es comme moi, lol. Tu dois voir que le classement des brèches ne ressemble à rien. Ça ressemble à rien dans quel sens, d'Azoy là? Pourquoi ça ressemble à rien? Explique-moi. Explain me.
Tu relances? Non, j'ai pas relancé là. J'ai cours dans 2 heures, dans 1 heure. Enfin, j'aurais pas eu le temps de le relancer. Ah, c'est vrai, la prédiction, j'ai oublié. J'ai fait combien d'épiques déjà là? Je loot combien d'épiques? J'ai loot combien d'épiques, les gars? J'ai loot 2 épiques, non? Je pense que j'ai loot 2 épiques. Donc, je vais vérifier. J'ai loot une relique ici. Oui, j'ai loot que 2 épiques, les gars, que 2 épiques. Donc, terminal réduit. Oh, j'ai loot 2 épiques, les gars. L'autre, c'est une relique. Vous me faites peur. Ça, c'est une relique, les gars. 2 épiques, une relique. Voilà.